Et salut tout le monde, on se retrouve donc sur la chaîne Pipo Gaming. Donc aujourd'hui on va tester Dirt Rally 2.0, un jeu que j'attendais particulièrement parce que ça demande beaucoup de concentration, c'est un super jeu de simulation rally. Donc voilà, on va tester ça. Donc et puis à la fin on fera une petite conclusion, ok? Allez, à de suite. Allez, c'est parti pour Dirt Rally 2.0. Donc ben là on se retrouve dans l'accueil avec donc mon écurie. Vous avez les épreuves, la carrière rallye, le rallycross, c'est les défis quotidiens, donc bah, c'est le multijoueur, comme dans le 1, je sais pas si vous aviez pu essayer. Donc il y a des défis hebdomadaires, quotidiens, ensuite bah, vous avez votre garage avec tous vos véhicules, vous allez avoir votre staff, donc voilà, donc le fait d'améliorer ses ingénieurs, tout, on va réparer plus vite son véhicule bah, entre les étapes, tout ça, donc c'est vrai que c'est super important. Mon copilote est très moche, créer son propre championnat, conduire avec les véhicules sur les rallyes historiques. Vous avez le FIA aussi et le contre-la-montre. Donc ça c'est pour se faire plaisir tranquillement. Et là c'est pour acheter du contenu. Allez ben on va commencer par la carrière, le début du début. Avec une vieille bagnole dégueulasse. C'est parti. Pour la Nouvelle-Zélande, 14h23. Moment idéal. Sur la plage, gravier, j'aime pas, ça va glisser. Ah, il pleut, ça c'est moins cool. Tain, on est à la plage, il pleut. C'est parti, là c'est du sérieux, là c'est la compétition. Départ 30 mètres, gauche 4 ferme, dans droite 5, dans gauche 4, bonne chance. On va essayer d'écouter le copilote un peu. 5. 4, 3, 2, et dans celui-là, on peut faire des faux départs. Go. 30 mètres, gauche 4 ferme, dans droite 5. Dans gauche 4, dans droite 2, long ouvre. Dans droite 6 sur ciel. Dans gauche 1, long ferme. Dans droite 2, ouvre sur ciel. Et gauche 4, ferme 2. Hop, 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 hop. Ouvre et 30 mètres. Gauche 3, long ferme. Dans droite 5 et 3. Gauche 2, ferme. Ah. Dans droite 6. Et c'est le crash. Dans gauche 4. Allez, non. Dans gauche 4, dans attention, droite 5, long ferme 1. Oh, c'est un bon bruit. Dans gauche 6 sur ciel, ouvre, reste à droite sur 60 mètres. Gauche 3, 30 mètres, gauche 5, ferme sur ciel, dans droite 5. Gauche 3 ferme, corde. Dans droite 6 sur long ciel, soulage. Dans Hacham Power, on arrive à la paix. Sur arrivée 60 mètres. Ouh. Et c'est parti pour les crashs. Ah, je l'ai pas écouté. Ah non. Ah. Putain, à chaque fois. Donc on va faire du contre la montre tranquillement. Donc au moins là en plus on peut voir tous les circuits. Pas tous les circuits mais tous les pays avec toutes les spéciales. Donc on voit qu'il y en a vraiment beaucoup. Franchement sur ça il y a de quoi faire, hein. Vous voyez, hop, je fais défiler un petit peu. Il y en a vraiment beaucoup. Ouais. Donc avant de battre tous les records, faut s'entraîner. Allez, on va commencer par le premier. Qu'ensuite, ben, on va pouvoir découvrir tous les véhicules qu'il y a sur le jeu. Donc, effectivement, mais c'est qu'il y en a beaucoup. Oh oui, la Subaru Impreza 95. Celle-là, je la kiffe. Je vais prendre celle-là.
Donc attention au départ, faut pas accélérer avant dans celui-là, sinon tu te fais niquer. 5, 4, 3, 2, 1, go. 60 mètres. Allez, c'est parti. Putain, ça commence par une épingle. Oh, c'est mes premiers tours de roue. Hein. Ah! On va conduire tranquille. T'habitues au véhicule. J'adore le bruit de la Subaru. En plus, j'ai dit celui-là il est sinueux. Dans cachet, épingle gauche, pas corde. Dans droite, pas corde, pas corde. Dans pas corde gauche 6. Oh là là, je suis un petit peu quand même. Ah! Dans droite 3 sur ciel, 30 mètres. Reste à droite dans gauche 4. Ouvre extra long et ferme 1. Dans pas corde. Oh, il fait peur celui-là. Le spécial là. Oh là là. Ah, je l'ai pas écouté! Et on va changer la vue juste pour kiffer le bruit du véhicule. 5, 4, 3, 2, 1, go! C'est parti! 60 mètres. Épingle droite ferme, dans gauche 1 extra long. Un régal pour les oreilles. Dans droite 1 ferme, ouvre extra long. Ah! Dans gauche 2 extra long, ferme 1. Dans droite 2 ferme. Oh! Et donc nous voilà sur le départ d'une spéciale sur les Nouvelles-Zélandes. Avec la Polo, c'est parti, concentration, concentration. Go! Droite 1 très long. Ouvre 30 mètres. Gauche 1 ferme. 30 mètres. Gauche 4. Oh, ce virage était trop bien pris! Pourvu que la suite soit comme ça. De gauche 3. Et 50 mètres sur ciel. Droite 1 ferme. Droite un ferme. Ah. Il est caché en plus celui-là, ce bâtard. Oh là là, qu'elle se conduit bien la Polo. Elle se conduit toute seule. Oh là 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 là. Gauche 4 sur ciel. Ouvre long, pas corde et ferme 2. Dans droite 4 cordes à voir. 30 mètres. Gauche 3. Dans droite 3 ouvre. Oh là là, mais elle se conduit toute seule. Épingle droite large. Dans gauche 3. Ah, là, je l'ai un peu loupé là. Dans droite 5. Dans gauche 4 très long. Ouvre 30 mètres. Oh là là, le bruit qu'elle fait en plus. Dans à droite 2. Attention à droite 2. Dans gauche 4, ouvre très long, ferme sur ciel. Dans droite 3 long. Hop. Ouvre. Ah, je vais taper. Non. Ouh. Attention à gauche 2. Et gauche 3, pas corde entre barrière et 3. Oh là là, ce jeu demande une concentration de fou. Je suis tendu là, je vous le dis là. Dans droite 6. Ah. Dans pas corde gauche 4. Dans droite 5 et 20 mètres. Gauche 4 dans soulage. Droite 2 très long. Ouvre sur ciel. Dans gauche 4, 20 mètres, reste à droite sur ciel. Oh, elle est contrôlable de ouf cette voiture, c'est incroyable quoi. Droite 3 sur ciel. Dans gauche 5, 30 mètres. Gauche 4 long. Oh là là. Dans droite 6 et gauche 6. Hop. Droite 2 ferme. Il part en couille là. De ferme. Oh, je suis passé sur l'arbre. Droite 4 ouvre sur ciel. Dans gauche 6 long. Dans droite
5 long, ferme 3. Dans gauche, la corde. Non. Sur la ferme plus, putain. Dans gauche 5, ma corde. Et reste à droite sur 30 mètres. Gauche 6, long sur ciel. Voilà, je me suis déconcentré. Ma corde. Dans droite 1. Dans ma corde, gauche 3. Voilà, du coup, je fais n'importe quoi, ça y est, je fais n'importe quoi. Soulage. Dans gauche 1, ferme. Dans droite 1, ferme. Ouvre 60 mètres. Ciel et arrivé, 80 mètres, stop. Ah. Attention, j'arrive. Ouf. Ah, c'est éprouvant, hein. Franchement, t'es limite fatigué après. Donc avec la Citroën, donc ben, la Pologne, circuit beaucoup plus rapide, spécial beaucoup plus rapide, pardon. 5, c'est parti, 4, 3, attention le départ, 2, ouh, go. Gauche à fond, 50 mètres, à droite 6 sur ciel, pas corde, gauche 6, 50 mètres, ciel à fond milieu, 80 mètres, à fond milieu il a dit, et 50 mètres, droite 4 et 3, 80 mètres, jump milieu, 50 mètres, gauche 6 sur ciel, ça va être sportif je sens, ferme, ouais, y a beaucoup de lumière, hein. 120 mètres, reste à droite, dans gauche 5 long et 3, le soleil dans la gueule. Dans droite 6, 80 mètres. Long ciel, dans gauche 6, ferme après croisement. Et 30 mètres. Droite 4 et 3 sur ciel. Pas corde, gauche 5, ouvre long. Dans gauche 6 et 30 mètres. Oh là là, je suis tendu. Droite 4 long, ferme sur ciel. Droite 4. 50 mètres. Putain, je vais pas écouter. De gauche 4, dans droite 6. Pas corde, pas corde. Ah, tu m'étonnes, t'es une putain de meule. Mètres. Droite 6 sur ciel, oh, ouvre extra, extra long. Dans soulage, gauche 6, long sur bosse. Dans droite 3 sur ciel, bosse. Dans gauche 4 long, dans à droite 1, ouvre long, asphalte. Alors, droite 1 sur asphalte. Entre ballot. Reste à droite sur 30 mètres, à droite 1. Oh là 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 là, c'est le kiff. Ouvre sur ciel, retour terre. Et merde. 50 mètres, gauche 5, dans droite à fond sur ciel. Tellement fluide le jeu en plus. Ouvre long et ferme sur jump. Dans gauche 5 sur ciel, ferme très long. Dans droite 6, 50 mètres. Droite 4, extra long. Ouvre à fond sur ciel. Dans gauche 6. Prendre de la vitesse, c'est mortel. Pour le petit enchaînement vicieux. Oh non, sur jump. Ah, putain. On n'a rien vu. On s'en bat les couilles. Non. On va voir ce que ça donne quand on roule avec les pneus crevés. D'accord, gauche 6, 100 mètres. Droite 3 long, ferme, tas de bois extérieur. Et ouvre sur ciel. Ça y est, je suis sur la jante. Ah putain, c'est pas possible. Bon, on va en profiter pour recommencer. On va jouer un peu à l'extérieur du véhicule pour kiffer le bruit de la voiture. 2, 1, go. Gauche à fond, 50 mètres, à droite 6 sur ciel. Pas corde, gauche 6, 50 mètres, ciel à fond milieu. 80 mètres, jump. Et en plus, on kiffe les graphismes mètres, comme ça aussi là. 4 et 3. 80 mètres, jump milieu. 50 mètres, gauche 6, lanceur jump ferme. Elle magnifique la voiture. Ciel jump. 120 mètres. Reste à droite, dans gauche 5 long et 3 sur. Perds le contrôle. Dans droite 6, 80 mètres. J'arrive pas à conduire comme ça. Long Ouh ciel, dans gauche 6, ferme après croisement. Et 30 mètres. Droite 4 et 3 sur ciel. Pas corde, gauche 5, ouvre long. Dans gauche 6 et 30 mètres. Droite 4 long, ferme sur ciel. 50 mètres. Pas corde, gauche 4. Dans droite 6. Dans gauche 6 long, 30 mètres. Droite 6 sur ciel, ouvre extra, extra long. Et voilà quoi. Et c'est parti pour les crashs.
putain. Et merde. Donc voilà, j'ai fini de tester ça. Ce que j'en ai pensé, ben, c'est vraiment génial. C'est difficile, vraiment difficile. Il faut bien connaître ses véhicules, bien différencier aussi entre une propulsion, une traction, une 4 roues motrices, mais aussi entre les surfaces. C'est-à-dire qu'entre la terre, la neige, le gravier, la route, il faut vraiment faire gaffe. C'est plus du tout la même approche. C'est super intéressant pour ça. Graphiquement, il est très beau. Le jeu de lumière qu'il peut y avoir quand on passe dans les... au milieu des arbres, c'est vraiment génial. Moi j'ai vraiment aimé ça. Le son aussi, les véhicules ils font un bruit magnifique. Ça c'est vraiment plaisant. Je peux que vous conseiller un volant en retour de force évidemment. Ça donne une dimension physique et c'est encore mieux. J'avais essayé sur le Hung, c'était vraiment, vraiment top. Voilà. Donc ça demande une prise en main supplémentaire, mais c'est vraiment génial. Donc voilà, bon, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Moi je me suis vraiment régalé, j'ai un petit peu ragé aussi, ça c'est clair. Ben voilà, je peux que vous conseiller le jeu. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.